Bonjour, Antonio Pereira. J'ai été appelé par un agriculteur pour lui donner une recommandation de la conduite à tenir sur cette parcelle de colza. Donc, vu de loin, c'est vert. Si on se rapproche, beaucoup de pieds sont en train de se dessécher. Sur les moins secs, les méligettes s'occupent des boutons. Et sur les pieds les plus secs, on peut constater qu'il y a déjà une compensation qui est en train de se mettre en place. La question, est-ce que le pivot est développé sur ce pied-là? On va dire que oui. Par contre, ici, un pied qui est sur le dernier tiers complètement sec, un début de compensation qui est en train de se faire sur la partie basse de la plante. Par contre, le pivot, lui, est insuffisamment enraciné. Donc ces pieds-là ont peu de chances de produire des siliques et des graines. Nous sommes ici chez un polyculteur éleveur. On va se laisser encore une dizaine de jours pour suivre l'évolution de cette parcelle. Si la compensation est insuffisante, compte tenu du programme herbicide qui a été appliqué, il pourrait être remplacé par un maïs en silage.